La première menace qui a la première menace sérieuse c'est l'arrivée de Jemel Abdel Nasser et les officiers libres au pouvoir en Égypte. Pourquoi cette menace est sérieuse C'est parce qu'en 1956 Jamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez. Sachant que le canal de Suez est le point de passage obligé de toute l'offre séoudienne vers les marchés occidentaux. Et là, ça les a un peu ébranlés. Mais, toujours, le pacte de Quincy a fonctionné. Et Abdelma, ça est resté une menace. Cette menace est devenue encore plus sérieuse. En 1962, la guerre civile du Yémen. Le Yémen du Nord, le roi, l'imam roi du Yémen du Nord, a été chassé. Et, Jemrab Nasser envoie ses troupes, 60 000 soldats, pour combattre même roi, qui est Mohamed Al-Badr. Et surtout, les Égyptiens tentent de prendre le contrôle de Sanaa. Sanaa, c'est la région qui contrôle l'autre extrémité du canal de Suez, c'est-à-dire l'entrée de la mer Rouge, le tout sur un fond de panarabisme. Le discours nationaliste pan-arabe fait abstraction de la religion. Il faut aussi rappeler que la guerre au Yémen a duré jusqu'en 1970, c'est-à-dire bien après la guerre des Six Jours. Donc, c'était seulement en ce moment-là où Nasser, qui retire ses troupes du Yémen, et Nasser, qui perd de sa superbe. Suite à l'attaque israélienne de juin 67, il y a eu la première rencontre entre le roi Faisal et Jamal Abdel Nasser. Ils sont reconnus avec échange d'ambassadeurs. Mais Jamal Abdel Nasser ne constitue pas la seule menace. Il y a une autre menace c'est celle la chute de la monarchie irakienne. En soi, la monarchie irakienne, qui euh, le régime monarchique irakien, c'était le clan hachimite. Les séoudiens fondamentalement n'étaient pas chagrinés par le fait d'avoir écarté les hachimites du pouvoir. Mais en 1963, il y a eu un deuxième coup d'État, toujours par des militaires, et qui ont ramené le Hezbollah au pouvoir. Le Hezbollah, c'est un panarabisme beaucoup plus virulent. Et il faut rappeler que le Hezbollah a été créé par des chrétiens. Comment les chrétiens ont dit, en gros, je fais court. Hein, nous sommes entourés d'Arabes. Le seul point commun qui nous réunit à la région, c'est notre arabité. Donc, on fait Hezbollah. Donc, quand on parle de l'arabité, c'est pour faire abstraction de l'islam. Et pour les Séoudiens, c'est inacceptable. D'autant plus que le slogan du parti Baas, c'était C'est-à-dire, une seule umma avec un message éternel. Or, c'est blasphématoire. Le seul message reconnu est celui de Dieu. Donc, ça aussi, c'est une menace qui a duré. Et ces menaces se superposent. Hein. Il y a eu euh, entre 58 et 64 la menace qu'on appelle les princes rouges. Les princes rouges qui sont aussi nommés les princes libéraux. La traduction la, la moins innocente et celle prince libéraux, c'est l'Omar al ahrar allusion aux officiers libres égyptiens. Et à leur tête... C'est le prince Talal qui est le 23e fils du roi Abdelaziz, le fondateur de l'État saoudien actuel. Et le prince Talal a eu son, ses premières responsabilités politiques. Il était ambassadeur d'Armée saoudite en France. Et à Paris, il s'est laissé imprégner par ce qu'on appelle les valeurs démocratiques. Et quand il rentre en Arabie saoudite, il prône l'instauration d'une monarchie parlementaire. Circonstance aggravante, Talal est soutenu par Jemal Abdel Nasser. Et en rentrant en Arabie saoudite, Talal est nommé ministre des Finances. Ministre des Finances, il commence par nationaliser de larges pans de l'économie saoudienne. Ces nationalisations... Ne font pas du tout plaisir aux Américains qui, toujours, ils sont en arrière-plan. Et, bon, euh, en 1964, Talal a été écarté parce qu'il manquait de soutien. Les Wahhabites se sont érigés en véritable contre-pouvoir. Et pour Talal ibn Saoud, pour lui, il a dit que. Le socialisme est le principe fondamental de l'islam. C'est un blasphème, tout simplement inacceptable. Toujours dans cette série de menaces, en 1969, le roi Idris de Libye est déchu par un colonel, à l'époque il n'était pas très turbulent, Kadhafi. Mais sa démarche s'inspire celle des officiers libres, ce qui n'est pas un élément de confort pour les Séoudiens. Et là, pour euh, conclure cette première partie sur l'essor, il faut rappeler, bien sûr, les Américains sont toujours omniprésents, mais il faut faire un saut à Washington. Washington d'ici, qui est la capitale des États-Unis, il y a un analyste spécialiste du Moyen-Orient, dont le jargon américain c'est euh, Middle East and North Afri Africa, qui est Manfred Halpern. C'est un universitaire émérite et surtout qu'il était au département d'État. Il a écrit un livre que je conseille, donc je donne le titre, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa. Et, euh, à partir du département d'État, il a développé l'analyse suivante, pour dire analyse sous forme de... analyse et prospective, pour dire que les monarchies sont condamnées à terme et seront remplacées par des républiques. Et il s'appuie sur l'exemple de la Tunisie beylical, de l'Égypte, du roi Farouk. Bon, bien sûr, euh, ce qui est important, Alpern est devenu une référence essentiellement chez les démocrates. Il faut rappeler que cette partie, dans cette partie de l'histoire, les démocrates, entre Kennedy et Johnson, ça fait une bonne partie du début des années 60. Mais il a laissé des disciples. Et euh, un exemple, quand il y a eu les tentatives, surtout la première tentative de coup d'État contre le roi du Maroc, une partie des analystes américains sont restés convaincus que les monarchies sont condamnées. Et pour l'Arabie saoudite, c'est tout simplement inacceptable.